Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Cities Skylines. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre chère petite ville sur le DLC Airports. Et j'avais dit la dernière fois qu'on ferait, qu'on s'occuperait de notre unité catastrophe. Donc c'est parti, on va essayer de voir où on pourrait le mettre. Alors ça peut être intéressant de faire un peu une zone unité catastrophe, peut-être quelque part ici je dirais. Je vais mettre ça là et on va un peu voir ce qu'on va faire. Bon, on va déjà lancer ça. Ça va être intéressant pour, vous voyez ici, les bâtiments là, c'est un peu con parce que, ben, en fait, on bloque tout. Il veut aller là, ben, je suis désolé, mais du coup, toi, tu vas partir parce que, du coup, on bloquait tout, 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 quoi. Oh, regardez-moi ça. Plus rien pouvait arriver. Ok. C'est bon, c'est bien désactivé aussi. Franchement, c'est bizarre ce truc. Allez, ça va s'enchaîner. Ça, c'est une bonne chose, entre guillemets. Il arrive là-bas. Les hélicos ont du taf, hein, maintenant. Mais c'est cool. Alors, on va remettre à fond la vitesse. Bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ici, du coup, on mettra notre encore une zone d'habitation. On mettra sûrement quelque part... Pourquoi pas ici, on pourrait mettre une université. Là ou là, je sais pas encore. On a aussi la zone un peu ici à régler. Vous voyez, c'est quand même bien, bien full. Pour les transports, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on mettrait un monorail? Monorail qui prend un peu plus de monde. Et qui nous permettrait de... Ah mais ça, niveau place ça va, je crois que c'est plus qu'on doit mieux optimiser notre trafic entre guillemets. Dans le sens où les métros, il n'y en a pas un qui fait le tour genre jusque là ou qui va jusque là-bas quoi. Alors, il y a des choses qu'on peut déjà reconstruire apparemment, donc on va... C'est reparti, on va reconstruire ici. On va reconstruire là, et on va reconstruire là. On n'utilise pas encore les trains. Trains qui sont par ici. Il faut qu'on débloque absolument qu'on ait plus d'habitants, là. Hein. Ça va pas. C'est pas... On n'est pas super opti. Alors, je vois ici qu'on a des problèmes de santé. La santé moyenne n'est pas super. Tout ce qui est gériatrique... Ok, on pourrait faire mettre des centres gériatriques un peu par-ci, par-là. Vous voyez, histoire d'un peu remplir. En tout cas, pourquoi pas quelques zones ici. Et même chose pour les enfants. Des petits centres pédiatriques. De nouveau, pourquoi pas quoi. C'est parfait ici sur les zones ici autour. On va détruire des maisons malheureusement, mais bon. Voilà. Alors ici c'est déjà un peu plus full sur le niveau zone. Voilà. Et on va encore remplir un peu ici. Tac. Tac. Niveau 4 pour notre zone, c'est super ça. Pas assez de matériaux bruts, d'accord. De l'eau, d'abord, on va voir est-ce qu'il y a assez d'eau partout. J'ai en tête qu'il y avait un truc là. Voilà, ici aussi.
Même chose là. Ok. On a aussi toute une gestion des poubelles à un peu changer. Déjà ça va dégager du coup. On a toute une gestion des poubelles à faire. Alors, la question c'est où est-ce qu'on va faire notre centre un peu de traitement de déchets. J'ai envie de dire que j'ai envie de relier là et là ensemble déjà. Donc ça, on pourrait le faire. Ça peut être vraiment très intéressant. Parce que vous voyez, là, on clôture un peu la zone. Et ça ne fait pas qu'un seul axe, quoi. Parce que là, on est vraiment sur ça. On est vraiment sur le un seul axe. Du coup, un peu ce truc ici ne sert plus trop à rien. Niveau école élémentaire, apparemment, on est un peu limite. On va un peu s'occuper de ça. En vrai, ça ne m'étonne pas que ce soit un peu ici aussi. Ok, lui, normalement, ça devrait être bon. Hein. On est tout est ok. Ouais, c'est parfait. Alors, les déchets. La gestion des déchets. On a ici une zone industrielle qu'on pourrait mettre là, ou alors on pourrait faire genre ici une petite sortie ou une entrée. On pourrait faire un truc ici avec l'autoroute, clairement. On a aussi là, mais là c'est une zone très proche des habitations, mais c'est vrai que c'est une zone inexploitée. On pourrait la mettre en habitation et en même temps on a notre champ ici que j'ai jamais réexploité et que j'ai un peu abandonné malheureusement. Et voyez ça ici, ça a peint. Ce truc-là, il faut qu'on mette plusieurs entrées-sorties parce que un rond-point pour tout ça, c'est pas génial, génial. En vrai, j'hésite à dégager notre zone agricole et on la refera quelque part d'autre ailleurs. Je crois qu'on va faire ça. Parce que, en vrai, la zone a évolué de tel que c'est plus possible de faire comme ça, quoi. Voilà. On va supprimer du coup carrément la zone. Hein. Ça a rien de la garder, même si elle ne nous coûte pas de l'argent. Alors, par contre, juste problème d'électricité, apparemment. Voilà. Comme ça, on va pouvoir. Faire ça, on va prendre ça et connecter là. Et ça a déjà un peu changé deux, trois petits trucs. Trente-six mille habitants, ça c'est cool. C'est une bonne chose. On a aussi tout ce qui est port. On va pouvoir mettre où les ports? C'est ici, je suppose. Ouais, c'est là. Ok. Alors la zone, on va acheter celle-là. Hein. Je crois que c'est celle qu'on attend le plus depuis un petit temps. Alors l'idée c'est qu'on aura une autoroute qui va sûrement arriver jusqu'ici avec plusieurs entrées par là, vous voyez. Donc je crois qu'on va mettre les sorties d'autoroute déjà. Alors je crois que je vais plutôt mettre ce genre-là. C'est très grand, mais je crois qu'on a besoin d'avoir une zone assez large. Parfait.
ça, je trouvais ça vraiment stylé comme sortie. Et je crois qu'on va un peu, on va voir un peu comment on va faire. C'est vrai que ça aurait été peut-être bien là de mettre ça là au milieu. Ouais, on va faire ça. On va dégager ça. Ça va, on a assez d'argent, donc on s'en fout. On peut en profiter pour dépenser. On peut dépenser sans compter. Faudra un peu adapter, on verra bien comment, mais voilà quoi. C'est parfait, donc ça va se connecter ici, ça va tourner, on va le faire aller là, il va pouvoir aller un peu partout. Alors la grande question ici, ça va être, on va mettre du coup une sortie d'autoroute par là. Alors, on va arrêter le temps. Et on va supprimer un peu tout ça ici. Voilà. Alors, l'idée va être... Alors, est-ce qu'on met un truc comme ça? Non. Un petit truc. Si on met comme ça, c'est pas vraiment ça. Il faudrait un rond-point en dessous. Un peu dans cette optique-là. Alors, de toute façon, on va peut-être pas se faire passer autoroute un peu, genre dans ce style ici. En soi, on n'est plus obligé de le faire passer à tous les endroits. Même ici, ce n'est plus obligatoire aussi, hein, de faire passer tout ça là. Donc, partons juste sur ces deux entrées sorties ici. Moi, j'aime bien ça quand même. Mais c'est très très large. Celui-là, oh, c'est un tout petit truc. Ah ouais, celui-là, c'était sympa. C'était une entrée, une sortie, pas au même endroit, quoi. Et j'ai un peu peur que ça foute le bordel. Je suis pas sûr que ce soit méga opti. Merde. Je crois que celui-là restera quand même le plus efficace. Parmi ceux que j'ai. Alors c'est vrai qu'on va mettre normalement, en théorie, on mettait des habitations là, mais on pourra peut-être mettre plutôt une zone. Allez. Comment on appelle ça? Université, voilà. Donc imaginons qu'on fasse ici. Ils vont pouvoir traverser, donc ça c'est pas trop un souci. Ah, c'est pas obligé de passer ici en fait, hein. Donc en soi, ça pourrait très bien genre longer comme ça. Alors je vais supprimer ça. On peut le faire aller genre, disons comme ça. Dans le sens. Attendez, on va supprimer déjà ici en dessous. Genre tout ça aussi, ça dégage, hein. Voilà, parfait. Alors... Ce qu'on va faire, on va prendre du coup cette autoroute là. On va dire tu vas là et tu vas là. Ok. Et maintenant, si je me rappelle bien, mon petit truc ici permettait de faire un peu aligner la route. D'une manière un peu plus jolie. Maintenant, c'est vrai que je vais peut-être commencer par l'extérieur, du coup. Si je reprends ça, du coup, en théorie, s'il veut bien.
Ça sera déjà un peu plus sympathique. On va du coup laisser comme ça. Et on va du coup prendre cette route ici. La faire aller là. Et ça, faire aller ici. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je vais d'abord connecter un peu là, par sécurité, on va dire. Et on peut déjà relancer. En soi, maintenant, tout le monde va vouloir sortir ici. Nous, on va continuer un peu à tout connecter là. Dans le sens. Par ici. On va prendre le tout là, comme ça. Tac. Et on transforme. Ça sera déjà cool. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que je vais quand même faire à un moment donné une connexion. Je sais pas où, mais à un moment donné, il y aura une autoroute qui passerait bien, genre ici. Vous voyez? Et donc, un petit truc de 4 pourrait être pas si inimaginable que ça, quoi. C'est quoi pour le moment? On va juste connecter normalement. Alors, peut-être mettre un petit rond-point juste histoire de. Vraiment pour dire que quoi. Voilà. Et on va prendre du coup ça et on va prendre là. Boum. Parfait. Alors ça se passe comment? Bon, il fallait s'en douter. Clairement, il fallait s'en douter que ça allait un peu être le bordel. Mais c'est maintenant, parce que regardez maintenant, ils passent tous par là. Donc ça veut dire qu'on aura beaucoup moins de monde là. Et en vrai, ça m'étonnerait pas que ça aille mieux rapidement. Alors, beaucoup de véhicules de particuliers qui veulent aller jusque là-bas. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas de métro qui va jusque là-bas. On va se faire ça, on va se faire un petit métro. Qui va rouler, mais qui va à partir d'ici. Si déjà il peut aller jusque là-bas, en vrai, un petit direct genre de ici à là-bas et tu reviens. Enfin, quoique. En vrai, il faudrait qu'il aille jusque là, et puis il revient, quoi. Donc on y est. Autant faire ça. Alors voilà, là, ça déconne bien comme il faut, hein. Pourquoi donc? Alors ici aussi, ça déconne. Ah, parce que la sortie là. Ok. C'est pas illogique, encore une fois. Bon. On va un peu forcer certains trucs. Genre, tu choisis bien ta bande avant. Oh, le monde.
Il y a quand même des gens qui viennent là, mais pas non plus des tonnes. On a trois bandes, peut-être qu'on devrait en mettre quatre. Alors on a moins d'étudiants, par contre au moins on est passé en renommée, du coup on va pouvoir augmenter, donc ça c'est une bonne chose. Ils sont malades, bah évidemment il n'y a plus rien qui arrive. Et on va peut-être ici se faire une petite sortie, mais on va faire ça au prochain épisode. Parce que bah c'est le bordel, hein. C'est le bordel. Après, j'ai envie de vous dire, ils peuvent plus traverser à pied. Et ça, on va régler maintenant, sinon je vais oublier. Mais c'est pas étonnant que ce soit lié. Parfait les amis, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé l'épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez hâte du coup de voir tout ça. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!